On le sait, Kate Middleton et le prince William sont spécialement discrets en public. Pour les Cambridge, pas question de s'embrasser en public, si est-il d'ailleurs contraire au protocole royal, ni de se tenir la main ou même de s'enlacer tendrement. D'ordinaire donc très discret, les parents de George, Charlotte et Louis ont dérogé à leurs principes le temps d'un instant. Mardi 12 novembre, ils se sont en effet laissés aller à un petit élan d'affection lors de leur rencontre avec les bénévoles de Shout, une initiative qu'ils ont lancée avec Meghan Markle et le prince Harry pour aider les personnes souffrant de maladies mentales. En arrivant au Troubadour White City de Londres, le prince William a tendrement posé la main sur le dos de son épouse au moment de saluer les volontaires. Pour cette occasion qui lui tient spécialement à cœur, la duchesse avait misé sur une tenue automnale qui lui allait à ravir. Elle était très élégante dans un blazer à carreaux gris signé Smith, d'un t-shirt blanc et d'un pantalon bordeaux de la marque Joseph, qui coûte 225 livres. Pour compléter sa tenue du jour, la maman de George, Charlotte et Louis avaient misé sur une paire de chaussures en dinde géant Vito Rossi. Et ce n'est pas la première fois que cette reine du recyclage porte cette veste. En octobre dernier, Kate Middleton avait assorti un pull col roulé et un pantalon noir pour visiter Coach Corsex, une organisation qui fait partie de la Royal Foundation. Il faut dire que depuis quelques semaines, les Cambridge semblent se lâcher un peu plus en public. Juste avant leur départ en visite officielle au début du mois d'octobre, si est-il cette fois-ci Kate Middleton qui avait osé un geste tendre envers son mari. À l'Aga Khan Center de Londres, la duchesse a subitement caressé l'épaule de son époux le prince William. En voyage au Pakistan il y a quelques semaines, le prince William et Kate Middleton se sont montrés plus complices que jamais. Preuve qu'avec les années, leur amour est toujours aussi fort.